Ça s'intitule « Demain nous appartient », ça se passe à 7, et si est-il le nouveau feuilleton quotidien de début de soirée sur TF1. En d'autres termes, un gros enjeu, d'autant plus que la Une souhaite l'installer durablement à l'antenne. Si le succès est au rendez-vous cet été, alors « Demain nous appartient » occupera en septembre la case de l'Access Prime Time. 130 épisodes commandés, 1650 m² de studio construit sur un espace de 8000 m² entièrement dédié au projet, 20 auteurs et quelques visages très identifiés dans le cœur des téléspectateurs, tels sont les ingrédients de cette fiction produite par Tel France. La société fait partie du groupe Newen, dont le capital est aujourd'hui majoritairement détenu par TF1. On lui doit, entre autres, Plus belle la vie. Lors de cette nouvelle épopée, plus de 35 personnages rebondiront de drame en conspiration, de passion en manipulation. Afin de ne pas perdre le fil dès les premiers épisodes, voici un état des lieux des principaux protagonistes. La famille Delcourt s'y estie autour de Chloé Delcourt, Ingrid Chauvin, que le feuilleton démarre. Un télescopage mortel survient entre deux bateaux. Cette professeure de SVT, affolée, cherche son fils, finalement accusé d'avoir provoqué l'accident. Convaincue de l'innocence de son enfant, elle va devoir affronter un nouveau coup de tonnerre. On découvre, en effet, sur une plage, le corps d'une jeune femme censée être sa sœur. Chloé est séparée d'Alex Bertrand, Alexandre Brasseur, et maman de deux enfants, Maxime et Judith. La fratrie Valorta s'y estie le pouvoir incarné de la ville. Maire de Sète et propriétaire d'un vignoble, Léonard Valorta, Patrick Roca, a épousé Elisabeth, Laure Killing, avec qui il a eu deux enfants, Eddie et Feu Fabrice. Le couple a un petit-fils, Bart, et une belle-fille, Laure, Anne Caillon, veuve de leur fils décédé et première adjointe à la mairie. La cellule police-justice suite à l'enquête ouverte après l'accident survenu en mer, le lieutenant Lucie Salducci, Laurie Pesté, travaille avec le capitaine Karim Saïd afin de découvrir le ou les responsables. Ils en réfèrent à la juge Laurence Moiret, Charlotte Valandret, qui vit en couple avec Sandrine Lazari, CPE au lycée de Sète. Sa sœur, Victoire Lazari, Solène Hébert, est interne à l'hôpital. La tribu Moreno d'origine espagnole, les Moreno résidant dans une HLM en bord de mer. Le patriarche, Roc, Pascal Casanova, est une figure locale. Son fils, Sylvain, technicien de surface à la base nautique, a épousé Christelle, Ariane Séguillon, secrétaire de mairie. Le couple a trois enfants, les jumeaux Dylan et Jessica, et la petite Betty. Incarné par Lou Jean, finaliste de The Voice Kids, c'est elle qui interprète la chanson du générique. Le clan Bédillard, la vie des Bédillard a basculé tragiquement suite à l'accident en mer, puisqu'ils y ont perdu leur fils, Lies. Bilal, Atmen Khalif, est employé dans le vignoble des Valorta et Leïla, Samira Lachab, est infirmière. Le couple est également parent de deux filles, Soraya et Noor, et a une nièce, Yasmine. Et aussi, parmi les lieux fréquentés régulièrement par les héros du feuilleton, le Spoon est un café situé sur le canal royal. Les propriétaires sont Tristan et Gwen, un couple de bobos écolos.
De nombreuses intrigues se dérouleront également au Colombier, l'hôtel dirigé par Béatrice Reynaud, mère de la jeune Sarah, étudiante. Just